communications sont mortes dans tout ce secteur. Tu es tout seul. Ok. Trouver les foreuses, les éteindre manuellement. C'est ça. Bonne chance. Terminé. C'est parti. Dans la gueule du loup. L'état de cette zone, c'est... Mon Dieu... C'est une blague. Bon, j'espère que ce laser marche comme promis. Ok, allons régler ça. L'activation manuelle doit être au centre de contrôle. C'est ma priorité. Centre de contrôle.
Allez. Les contrôles. J'ai l'impression que c'est là. Il m'a dit que tout le pétrole de la zone passait par ici. Il faut que je réduise le flux dans ces tuyaux pour faire baisser la pression de la colonne principale. Désactivé. Ça devrait couper le flux. Niveau de pression acceptable. Enfin. Encore, je t'en prie. S'il te plaît. Non, sors de ma tête. Non. Stop. Arrête.
Strange est là depuis des années. Chaque jour, tous les jours, pompé jusqu'à la dernière goutte. Comme un foutu vampire. Allez, j'ai un monstre à tuer. Ça suffit. Ça suffit. J'ai fait mon boulot. Il faut que je parte maintenant. Ça y est, c'est bon. Thank you.
parles, comme si t'étais un être vivant. Comme si tu me comprenais. Mais c'est pas le cas. T'es un sous-marin. Une machine. Quand on donne un nom à quelque chose... Moon, Mercury, on lui donne aussi un visage. Ces méduses, ce sont que des systèmes nerveux qui flottent. Sont-elles conscientes, vivantes? Pas d'une façon que je comprends. Seul, mais j'ai fait de toi mon plus précieux compagnon. Qu'est-ce que ça dit de moi? Hein? Laissez-moi. C'est pareil. La solitude qui se manifeste. La peur. L'esprit qui se débat avec lui-même. Écoute-moi raconter n'importe quoi. Je crois. Il faut que je dorme. Allez, l'ami. Rentre. Stan, je viens de recevoir l'info. Les foreuses sont désactivées et l'arrivée de Brut est coupée. Mon Dieu, j'aurais jamais cru que je serais si content de voir cet énorme zéro. T'as été exemplaire, Stan. L'incendie avale encore le pétrole stocké sur la plateforme, mais tu lui as coupé les vivres. L'écosystème de la zone te doit une fière chandelle, gamin. Et moi aussi, en passant. Ça donne quoi, en haut? C'est pas génial. Alors imagine ce que ça aurait donné sans ton aide. Les drones combattent l'incendie en ce moment même, mais il y avait beaucoup de brut dans la plateforme. Au moins c'est sous contrôle. Tu peux respirer. La direction vient d'arriver. Plutôt mourir que de fermer mon clapet pendant qu'ils essaient de me faire porter le chapeau.
si calme ici. J'avais jamais remarqué. Isolé. Oui, quel silence. C'était bien. Bon, je vous ai coupé un petit peu des petits morceaux pour aller plus vite et puis pas tout spoiler. Sinon, ça gâcherait vraiment trop le jeu, quoi. C'est où, ça? New York? En tout cas, quelle ambiance, mes amis, mais quelle ambiance dans ce jeu. Et je crois que... J'en suis pas encore à la conclusion, mais... Il tient beaucoup là-dessus. C'est, ça a Une été trench, bossé. Nous faisons tourner la planète. Ferme ta bouche, ce serait mieux, toi. J'ai mérité un café, non? Appelez Emma, déjà. Comment dire? Ça peut pas attendre. En tout cas, j'avais aucune conviction quand je suis arrivé sur ce titre. Enfin, si, on m'avait dit, c'est un truc, il y a de l'horreur, il n'y en a pas. D'accord. Après, il y a du craft, ça, on ne me l'avait pas dit. Je déteste le craft, mais ça va, c'est à dose homéopathique, on va dire. Maintenant, il y a l'exploration. Et pour le stream, vous avez bien compris que j'ai tracé comme un goré dans le jeu. Il y a bien évidemment plein de choses à faire tout autour des missions principales. On va appeler Emma, sinon je vais me faire engueuler. Non, regarde pas les photos, ça va être trop nostalgique. Appelle Emma. Stan ! Stan, tu m'entends ? Oui. Oui, je suis là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Je t'en prie, dis-moi que... Ça va, ça va. L'incendie est à la surface. Je vais bien. Oh, c'est pas vrai. T'as pas idée d'à quel point j'étais inquiète. Je veux que tu rentres à la maison. Maintenant. Emma, je peux pas. Si. Si, tu peux. Tu crois peut-être que non, mais tu peux complètement. Non, elle a besoin de... Elle ? Qui ça ? Une dirigeante interchangeable de chez Unitrench ? Une des petites mains de Tim ? Que... Non, 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 tu comprends pas. Emma, je vois... Oh. Je l'ai vue. Je l'ai vue, Emma. Je l'ai vue, là, en bas. Qu'est-ce que tu racontes ? Je voulais pas t'inquiéter, mais... Emma, c'est Pearl. J'ai vu Pearl. Je sais que c'est dur à entendre. Dieu sait que c'était dur à voir, mais... Je te le jure, elle est venue à moi. Je faisais une opération d'entretien de routine. Du nettoyage, en fait. Il y a eu cette lueur. Et sa peluche. Tu te souviens? Lumière. Je sais que c'était... Emma? J'aimerais que tu m'écoutes. Mais t'as entendu? J'ai vu Pearl. Je vais appeler Tim. Je vais appeler la police, ou les gardes-côtes, ou peu importe qui est censé réglementer cette boîte. Non, 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 tu m'écoutes pas. Parce que tu ne vas pas bien. Tu es très loin d'aller bien. Je suis pas... Je l'ai vue. Je l'ai touchée. Elle m'a sauvé. La vie, en bas. Pearl. Pearl t'a sauvé la vie à 100 mètres de profondeur. Elle portait une combinaison? Non, elle était... Écoute-toi, je t'en prie. Pearl... est morte. Elle est morte. Je sais pas si tu as l'ivresse des profondeurs ou quoi, mais tu as besoin d'aide. Et je vais t'en trouver. J'appelle Tim. Non, non. Non, s'il te plaît, il... C'est autant pour toi que pour moi. Je suis... Tu es quoi ?
pas d'importance. Je t'aime. Pourquoi je lui en ai parlé ? Imbécile. Peut-être que j'ai l'air d'un fou. Ah, moi je vous laisse cogiter les gens, je vous donne que des informations. Donc si on prend le temps réel par rapport au jeu, il y a des émissions, vous avez vu, il y a des raccourcis. On en est à 6 heures et des poussières de jeu et j'ai tracé dedans hein, quand même. Bon, il y a des moments où je me suis coincé tout seul bêtement parce que il y a des incompréhensions hein, des fois avec le titre. Le coup des turbines, là, c'était moyen médiocre on va dire. Du coup, j'ose pas aller dormir parce que je sais très bien que je vais faire un cauchemar et que ça va être de pire en pire. Je vais aller voir le matos que j'ai pour préparer le craft de demain. Et après, je vais dormir, promis. Et je ne toucherai pas le bouton d'autodestruction. Je m'y engage. Cuisine. Non, c'est bon. Pour une fois que je me cours pas. On pourrait jouer de la guitare aussi. Mais bon, apparemment, vu l'état du garçon, Steve Sissou dirait... Il a l'œil fourbe. Oui, il a l'œil fourbe, regardez. Il est rongé par le mal. Enfin, il en a tous les symptômes, en tout cas. Mais laisse-moi ça ouvert, même les appareils refusent de se soumettre à mon contrôle. Non ! Je vais pas dire, les gars, mais je peux me faire une orgie de bâton d'oxygène. Vous avez vu, j'ai pris le stock avant d'y aller. J'étais un petit peu en mode parano. Fusée, j'en ai plus ? Non, attendez, je vais le dire mieux que ça. J'en ai plus ! Des mines, j'en ai pas 36 000, on a vu que c'est très très utile. Balise, j'ai toujours pas capté, j'ai toujours pas le plan. Carburant, on en a récupéré plein. Kit de réparation, je conduis comme un dieu. Mon petit sous-marin. Et on a un laser. Je sais pas du tout... quelle va être la durée finale du jeu, et je vais me baser en fait sur les améliorations pour me repérer. Je pense qu'on va passer la douzaine d'heures facile. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que je me lasse pas de m'égarer là-dedans et de faire des allers-retours. Alors que d'habitude on râle, ça serait dans un Kojima, je râlerais. Oh, elle était facile celle-là. Mais voilà. Les gens qui veulent faire le 100% vont pouvoir vraiment se marrer. Et y passer une quantité de temps peut-être au-delà du raisonnable, on va dire. Bon, allez, on est parti pour notre séance cauchemar. Des bisous. Non. Un peu de guitare. Non. Un bouquin. Non, on dort. Il faut que je dorme. Ça me manque. Ça fait si longtemps. Il faut que je dorme. Je sens l'air sur mon visage. Pearl, où es-tu?
Pearl? Pearl. Debout, c'est l'air. Mon Dieu. J'espère qu'éteindre les foreuses a eu un effet. Si le pétrole qu'elle sorte se retrouve dans l'océan. Bon. J'espère que ça a marché. Plus de liaison radio. Ok. Café. Ah non mais, et puis commencer une journée sans café, vous plaisantez les gens. Je peux rien récupérer dans mes plastiques recyclés. Reposez en paix, lasagne de Stan. Ouais, j'aurais essayé. Elles sont dégueu. Tu pourrais faire la vaisselle, man. Il y a une odeur. Je devrais faire la vaisselle. Tu vois? Écoute la raison. En fait, je suis ta conscience, hein, tout simplement, madame. Bon, café. Comment va le chien? Pour les gens qui débarquent, le chien c'est... Ah mais il est pas là, il allait faire un tour. L'autre nouvelle, ça pourrait être pire, c'est que les eaux sont tellement polluées qu'il peut plus vivre ici. Je vous rappelle que le chien c'est une otarie, hein, qui est mon pote. Là, ta tasse, tu ferais une belle tâche de café comme ça devant l'ordinateur. Mission du jour. Les tâches sont arrivées au moins. Ah, un message de Tim. Équipe déménagée par sécurité, envoyée sur un navire de communication de secours. Tâche, change rien. Incendie, catastrophe pour l'image. Du nettoyage à faire, désolé, te recontacte. Au moins, il est en sécurité. Alors, je suis aux ordres des relations publiques du Nitrench maintenant. D'abord, un café. Non, on vient de le faire, Kiki. Ce serait mal me connaître. Commencer les journées sans le café, t'es fêlé, toi. Bon, on va regarder le panneau des tâches. Réveil. Faire du café, mais j'ai déjà pris un café. Mon Dieu, c'est saut. Époque du linéaire. On va reprendre un café, les gars, parce que j'en ai super envie. Regardez les autres opérations, ce sera bien. Trouver des sondes. Alors ça, je m'en suis pas occupé. J'ai absolument aucune idée d'où ça peut se trouver. Utiliser le laser moon pour nettoyer la pollution dans le respect des arrêtés régionaux, bien sûr. Nettoyer la zone 0 sur 10. Ça veut dire qu'il faut que je stocke du laser si ça se recharge. Et vie, faut y penser. Donc on va les crafter plutôt que café. Hein? Ce sera une bonne chose. Alors, voyons voir ça. Du bâton, 17, ça va aller. Fusée, faudrait que j'en fasse quand même. Ah mais j'ai pas de quoi. Mine. On a toujours besoin de petites mines sur soi. Puis c'est mieux d'avoir une bonne mine qu'une mauvaise, il paraît.
Ouh là là, on n'est pas dimanche. Si, on est dimanche, j'ai droit au jeu de mots. Enfin, on est dans la nuit de dimanche à lundi. Vous dormez tous, hein, c'est un peu... 4h du matin. Allons-y. Voilà, là j'ai des mines, j'ai de quoi faire péter la planète. Parfait. Ça, j'ai dit que je conduisais comme un dieu. Ça, on en est pété. Le laser. Y a pas besoin de munitions. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un café, parce que sinon, il va nous emmerder. Il va être super énervé aujourd'hui, en plus d'avoir le mal des profondeurs. Il va me laisser sortir, là, quand même. Si j'essaye. Pas avant le café. Et vous êtes témoins, les mecs. J'ai cheaté le jeu. J'ai fait bugger le jeu, regardez. J'ai déjà pris un café, je vais en reprendre un, je vais être tout énervé. Tout ça pour déclencher un événement à la télé. D'après le porte-parole d'Unitrench, l'incendie est maîtrisé. Et toute la zone affectée est surveillée de près par des spécialistes. En effet, depuis la côte, on ne voit quasiment aucune trace de l'incident. La mer est calme et vous parlez encore. Il le fait en rêve. À vous les studios. On dirait que le service com s'en sort bien sans moi. La faune affectée. Bois ton café. Merde. J'espère que Joe va bien. Je rappelle que Joe c'est mon chien. Rien ici. Et que mon chien c'est une otarie. Je peux le suivre depuis le panneau. Jojo, t'es où? En plus faut que j'aille faire les courses dans mon jardin moi. Je pense qu'il doit traîner dans mon jardin. Pourquoi il bloque ça? Pas cette heure de signal. Ouais, mais je m'en fous. Je vais aller faire un petit peu de jardinage. Parce que dans les algues parasites qui poussent sur les cultures là-bas, il y en a une qui me sert à fabriquer. Faut que je règle ce spot dans la gueule, c'est désagréable quand on rentre. Improvisation, c'est mon vrai talent. Est-ce que je passe là-dedans? Bon, le sous-marin, je vais le défoncer si je passe là-dedans.
Tu vas bien me proposer de poser une petite mine par là, bonhomme. Hein? Ça avait l'air tellement fait pour. Je suis très déçu. Bon, fausse bonne idée. Je suis déçu. Ça n'a pas été évident de trouver une issue là-dedans. Ah, ça passe peut-être là-bas. Mais non, c'est par où je suis arrivé. Alors, ce qui est en bas est en bas. Ce qui est en haut est... comment dire? En haut. Ouais, il y a une logique dans tout ça. Se repérer. Ciao, ciao. Et que les congres, ils vont m'indiquer quelque chose. Les congres sont des congres. C'est connu. Bon, réfléchissons vite. Je vais faire une connerie si je fonçais avec le sous-marin là-dedans. On va dire que c'est vous qui m'avez forcé, d'accord? L'atmosphère est différente ici. On n'a pas simplement abandonné l'endroit. On l'a scellé. Qu'est-ce qu'il voulait cacher? Oh, unité de carburant, ça se prend, ça. Tu peux pas me l'attraper de là avec une pince, ce serait génial. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui manque, le carburant. On laisse, ça servira à d'autres, on va dire. Oula. C'est, il reste des profondeurs, ça. Jojo, où que t'es? Oh. Y a un panneau de commande là. Personne n'est venu ici. On dirait un zoo. Ou une prison. Qu'est-ce qui a attiré Joe dans un endroit pareil? Marche arrière. Tut, stop. Hop, pique quel bien en face. Ouh. J'ai changé de vue sans faire exprès. C'est encore plus impressionnant. C'est vrai que j'ai fait tout le jeu sans changer de vue. Attends, ok.
Et rechange-moi la vue. Non, attendez les gars, parce que j'arrive pas à basculer de vue. Tellement je m'en suis pas servi. Y c'est pour sortir. X c'est pour passer les trucs. B. Ah, j'avance. Avec le turbo. Alors attendez, je vais faire ma belle marche arrière. Quoi, j'ai touché? Encore? Non, vous déconnez. Y va. Ouh, en vue intérieure, c'est impressionnant. Je voudrais pas faire le super méchant, mais j'aimerais beaucoup repasser en vue externe. Parce qu'on y voit beaucoup moins bien, du coup, sur l'environnement. Sur quoi ai-je appuyé, nom de Zeus? Toujours pas trop mon chien dans l'histoire. Faudra vraiment que je rechange de vue. Comment ai-je fait? À moins que je tourne en rond depuis tout à l'heure. Ça, c'est une autre proba aussi. Tourne. J'arrête pas de rencontrer des trucs comme ça. Je pense pas que. Faire cette carte. Mais elle sert à rien la carte, les mecs. Bon, il faut vraiment que je repasse dans la vue externe. Je plaisante même pas. Ah, c'était le clic gauche. Alors, attendez voir. C'est quoi le B? J'ai pas compris ce que ça a fait. Bon, peu importe, on est sauvé. Je suis avec ma vue externe à nouveau et ça va mieux. Je tourne tout le temps à gauche, ça c'est clair, hein. À droite, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Donc voilà. On y go. Enfin, je répare un petit peu le taco aussi, parce que c'est pas la fête. On est déjà passé ici. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Oui, une grosse hélice, on évite de foncer dedans bêtement. Il y a des façons plus sympas de mourir. Est-ce que je répare tout de suite mon taco ou pas? Bon, il fait pas d'étincelles. Aïe, il va pas tarder là. Oula. Caméra. King caméra. Ouais, comme dans Magnum. C'est pas terrible là ce que vous m'avez fait. Merci. Envoyez les calmos. Gauche ou droite? De toute façon, il doit y avoir un côté où ça passe pas. Voilà. Donc là, on va suivre la logique, on va pas réinventer l'eau tiède, ni l'eau salée. Hop. Bon, ça serait bien qu'il se passe quelque chose maintenant là, parce que je veux tourner en rond, bitête. Ça c'est... Et là, y a rien, donc c'est bien. On va passer doucement, sagement. Quoi qu'il y ait un truc. Non, en dessous, on n'essaye pas en fait. J'allais avoir une idée, mais c'est vachement mieux quand j'ai pas d'idée en fait. Vous avez remarqué? Caméra, me fait pas de pouillonnerie. Évite de toucher trop de débris. Parce que ça compte, les touchettes. Oh la caméra, dégueu. Passage à gauche. Yes, no, peut-être. C'est un passage, ça, les gars, ça se casse. Par contre, si je fonce dedans comme un bonnet, c'est pas sûr que le sous-marin aime. On va lui mettre un petit coup de répare. Bon, note pour moi-même, crafter des kits de réparation, sinon ça va pas très bien se passer, normalement. Descend. Ouais, je sais pas ce qu'il y a là, ça a l'air bizarre. Qu'est-ce que c'est? Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Merde!
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais bouge, pas. Bouge. Pourquoi bouger? Non, je veux voir, moi. Je veux même scanner. On ne peut pas? Bon, bouge, il dit. Que faire, Nicolas? Surtout ne pas céder à la panique. Ce serait le pire. J'ai toujours pas trouvé mon chien. Non. Mais... Ah, putain. Lâchez-moi. Il est où mon chien? Je cherche mon chien. Je peux pas y rester comme ça. Ouais, non, on va se planquer là, regarde. Plus de puissance, rien qu'un peu. Calme-toi. Est-ce que je suis énervé, moi? Alors, j'ai aucune indication sur le radar. Et il y a une grosse lueur verte en bas, on va essayer d'aller voir, mais je garantis pas grand chose et j'arrête pas de bugner là. Donc je vais être obligé de reprendre encore quelque chose pour... Qu'est-ce que c'est ça là en bas? Laisse-le faire. Hop, il passe, il repasse, on y va. Oh putain, mauvais moment. C'est pas grave, descend. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? On va aller voir. La curiosité, tout ça, les vilains défauts, vous me connaissez. C'est pour ma gueule. Où c'est que je suis? En tout cas, si je veux des moules, je sais où en trouver. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais bien trouver mon kleps. Il y a un passage là-bas, ça c'est cool. Il n'y a pas de bonus dans ce coin-là. Hein. C'est pas la teuf. On va éviter d'aller trop bas, ça sert à rien. On va suivre... tranquille. Je vais me taire. Comme ça, vous serez tout aussi inquiet que moi. Gauche, droite, c'est mieux. Hein. Non? Ouais, c'est trop tard. Mais y penser avant les gars. Bon, c'est pareil, c'est kiff. Là, plutôt là, ouais. J'étais censé me taire. Sous-marin est pas en forme. Par ici. Allez. Merde. Non. Va-t'en. Allez. Mais ça se termine jamais. Non. Si l'affolement me fait appuyer sur R3, mais non, c'est sur L3 qui me fait appuyer d'abord, hein, soyons corrects. Et donc, je vais dédier cette séquence à Erwan. C'est ma dernière caisse de réparation, les mecs. Hein. Bon, je sens que j'ai un truc aux fesses, là. C'est parti. Ça y est, on a réussi. Comment dire? C'était quoi cet endroit? Je suis pas très satisfait quand même. Cette chose. On n'a pas retrouvé le chien. Il faut que je sorte d'ici. Le signal de Joe. Plus rien. On a cramé plein de caisses de réparation. Le sonar. Je peux peut-être le trouver avec le gelé. J'y suis presque. 415 mètres. Dernière ligne droite. Oups. Bouge pas, Jojo, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Trace de pétrole. On nettoie. Ah bah oui, c'est mon job. C'est un petit peu comme machin Wesh Simulator là. D'ailleurs les gens qui jouent à ça, vous prenez quoi comme drogue? Parce que c'est curieux quand même.
Acheter un jeu pour nettoyer des trucs qui n'existent même pas. Il y a un paroxysme, je trouve, là, dans le truc. Enfin, c'est pas grave. Tant que ça plaît, c'est ce qui compte. Joe! Ma truffe, où es-tu? Je sais pas si on peut dire ma truffe pour une otarie. Il est encore à 100 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé ici, les gars? Et par où je passe, moi, surtout? C'est tout verrouillode. On va poser le taxi, je pense. Et on va voir ce qui est praticable en combi. Dedans ou dessus? Oh, dessus, je préfère. Les gars, faites-moi pas des murs invisibles, j'aime pas. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'était pas dessus. Oh, sérieux? Bien, 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 on va trouver. Ouh, c'est mal barré, ça. À moins qu'il y ait un petit passage. Il est pas loin, hein. Plastique, Joe, ouais. Non, non, non. Ah, non. Ah, pas ouais. Joe. Mon ami. Un salon de jardin. On dirait notre salon de jardin. Je me souviens, il y avait de la musique et des ballons. Elle a failli tomber. Henri l'a poussée trop fort et elle s'est affalée vers l'avant. Comme une marionnette. Désolé d'être en retard, ma chérie. J'étais obligé de... Enfin, j'ai dû... Papa, Roger m'a dit un gros mot. Un gros mot? Il a dit que j'étais une naze. Roger a dit ça? Oui. D'accord. Eh ben, je vais parler à Roger. Mais regarde. Je t'ai amené quelque chose. Un cadeau? Oui,
Un cadeau. Qu'est-ce que... Joyeux anniversaire, ma puce. Il s'appelle Lumière. Lumière, je te présente Pearl. Vous allez bien vous occuper l'un de l'autre. D'accord ? Hein ? Oui, c'est promis. Merci, papa. Laissez la tristesse vous envahir vous aussi. Mais moi, ce qui me rend encore plus triste, c'est qu'on va se taper tout le labyrinthe à l'envers. Non ! Quitter le site Alpha. Il y a une sortie express, apparemment. Ils s'en doutaient qu'il y aurait... Ils s'en doutaient qu'il y aurait un vieux grincheux qui gueulerait. Je passe. Ouais, je passe. J'ai plein de bonne volonté, regardez. Chez moi. On est bien d'accord. Par là. Il faut que je me barre d'ici. Ouais, c'est juste que c'est pas super pratique pour conduire. Tu comprends. Bon, j'ai plus de chien. C'est triste. Ah, j'en cogne mon sous-marin tellement je suis déprimé. J'ai moins de volonté dans la survie. Putain. C'est ce qu'on peut appeler une journée de merde. N'aide la mort. Et il cause la mort. Tout ça, c'est un cycle. C'est une putain de boîte. Heureusement, j'ai des copains poulpes encore. Que je vais pas tarder à manger, mais ça, ils le savent pas. Gros, je te mangerai pas, toi, promis. Est-ce qu'Uni Trench les sème dans tout l'océan? De moins dans la mer.
océan plus propre. Formation naturelle. Et impressionnante. Plutôt rare. Tiens, une géode. On en fait des choses avec ça. Derrière une trench. Voilà, c'est nettoyé. Et un déchet de moins dans la mer. Les amis. Allez vers des eaux plus clémentes. Nettoyage terminé.
Devrais appeler Emma. Anniversaire de Pearl. Je sais plus lequel. Elle a l'air si contente. Pardon. À vous deux. Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que tu fais là? Viens. On va faire un tour. Papa, il va où Jean-Paul maintenant? Jean-Paul? Maman a dit qu'il était parti, qu'il voulait plus nager. Ah. Ton poisson rouge, tu veux dire? Eh ben... Jean-Paul est mort, Pearl. Mort? Ouais. Tu sais... On meurt tous, ma puce. Personne ne veut voir ses amis mourir. Mais c'est la vie. C'est comme un grand cercle. Un cercle? Oui. Tous les êtres meurent, mais quand ça arrive, ils retournent dans la Terre et ils aident à créer de la vie. Même Jean-Paul? Oui, même Jean-Paul. C'est pour ça que c'est important de se souvenir de ce compère. Parce que... ils font partie de ce cercle. Et tant que tu te souviens d'eux... ils sont jamais vraiment partis.
du café. Affiche quelque chose. Eh bien les amis, on va s'arrêter par ici. Oui, je vais faire comme dans les vraies séries, je vais faire un cliffhanger, parce que vous avez envie de savoir ce que c'est là-bas, ce message de SOS. Si c'est un appel, ou moi qui suis dans la panade. Ouais, parce qu'on m'a pas donné cette nouvelle non plus. Et faudrait peut-être que je m'en inquiète à un moment. Bref. Je ne suis pas Steve Sissou. Mais je vous fais vivre une aventure, comme vous en avez rarement vu. Vous avez un bouton d'abonnement pour suivre ça, si ça vous intéresse. Vous avez aussi ces deux magnifiques playlists, regardez. C'est pas beau. Bon, je vais me faire un café, on se retrouve juste après.